Bonsoir, il est 6h du matin, on se barre en Suisse. Bonsoir, on est arrivé, il y a des gens sympathiques. Hello. Hello, Kekette. Kekette. Du coup là on est chez un pote mais il est pas encore là, du coup on est rentré parce qu'on est des thugs. Puis on va se faire à manger et prendre au bar. Première blessure de guerre en essayant de décapsuler une bière. L'homme très doué. J'ai une part de pastèque en moi. On direct de la Suisse. J'ai une part de pastèque en moi. À deux, ok il est gros le chat. Allez. Il a tellement des beaux seins. Attends. Oh là 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 là. Oh là là. Tu kiffes. On laisse. Tu vois, ça c'est mes seins. Tu vois. Oh vas-y. Ils sont... Ils sont là. Non mais mon talit. Et non mon talit. Allez. La pizza. On rentre de soirée, on est bourré. Je suis bourré. Oui. Sur le cul. D'accord, c'est plus confortable. Mais ici. Moi sur les fesses, alors du coup, nous, ça nous fait rigoler. Il est 3h06 du matin. Luna fait la manche auprès d'un feu rouge. Je pense qu'elle va attirer les amateurs de pute. Ils vont lui donner du fric, tu crois? Ils ont attiré des clients, ça y est. Bah nous, on était à Lausanne, puis il a foutu un coup de boule à quelqu'un, alors on a dû sortir. La base, tout va bien. Bon, bah, on est fatigué, on a envie de rentrer, et puis Luna parle avec des gens. Premier soir, donc là, on attend. On a envie de rentrer, on a envie de dormir. Ouais, tout ça. Audran est parti avec une jeune demoiselle. Ouais, bah ouais, on a perdu Audran, mais il est là-bas, on le voit au loin. Voici un homme totalement bourré. Nous adorons ce genre d'homme. Il est très beau, il marche très droit, comme vous pouvez le constater. J'ai du vélo de sein sur ma caméra. Ta gueule. Non, plus que le drapeau rouge, mais tu sais, c'est pas parce que t'espérais que je te. Bonjour, c'est le jour numéro 2. Nous sommes réveillés dans cette fabuleuse maison qui est celle de Léo. C'est le 1er août, c'est la fête nationale. À part ça, ouais. Ta gueule. On va essayer d'appeler la meuf chez qui Audran il est parti dormir parce qu'on sait pas où ce qu'il est. Non, mais à part ça, j'ai pas de réseau là. C'est en train de rechercher le réseau 2 secondes. Je suis un peu déçu. La vidéo ne servait à rien. Ouais, bah en fait, vous avez qu'à faire attendre 2 minutes. Ta gueule. Ouais, t'as sale tête là. C'est beau. La montagne. La Mistral, la Tramontagne. La soupe poulet. Mais je tombe sur le. On part à la recherche du meilleur pote de Luna. Il nous a abandonné hier soir. Allô? Allô. Ouais, t'as disparu hier soir? Mais y'a Alicia? Ouais. Y'a Audran? Ouais. Ils ont baisé? Ouais. Bonjour, c'est le 4e jour et on recherche des actrices pour tourner un film de cul. On aime bien les fesses. Voilà le producteur. De porno. Si ça vous intéresse de tourner dans un film de cul, on se lance. Vitorico, c'est la production. Salut Louis Lamatraque, comédien plus couramment dans le doublage de beat. On va aller faire un petit tour. Ta gueule. Quoi ta gueule? Ta race. T'en as pas. C'est toi tu le suces. Ça c'est un téléphone, tu vois. C'est un truc genre ça sert à appeler. Tu peux regarder des trucs dessus, smartphone, tu vois. Tu peux mettre sur internet, c'est la technologie beaucoup outrée. Hein. Voilà. On va apporter ce téléphone. Vous voulez un téléphone? C'était celui-là. Tiens. Ah, mais tu peux me le donner! Mmh. Non, j'ai pas de réponse. Ah bah, en plus, si t'es nul. Quoi, je suis nul, c'est pas de ma faute si je suis moche. On va quand même faire des efforts, moi je suis nul. Parce que toujours réussir à être un minimum joli, mais tu fais rien quoi. Moi je suis pas trop le vrai. Bah, t'as pas de goût, mec. Moi j'aime bien voir. Le vrai, c'est la meilleure chose du monde! Moi j'aime bien voir la peur dans le regard de. Non, après je peux mettre sur moi et. Non, c'est bon. Ça fait chelou. En plus, tu bandes. Je bande là. Ouais. Stupide.
Audran, qu'est-ce que t'as dit? Bah vu que vous parlez de si on pouvait éjaculer sans excitation, c'est ça? Ouais. Moi j'ai dit que tout à l'heure j'ai éjaculé mais sans avoir la gueule. Voilà, c'était Audran, merci beaucoup. Hein. Il est trop bas. Ta gueule. En direct de Clitorico Productions. Les seuls à pas s'endormir à part ça. Ah ouais, mais c'est comme d'hab, j'en peux dire. 5h du matin. 5h du matin, ouais. 5h du matin, mais ça va. Tous allongés là sur leur lit, là, nous, va, là on est réveillés, on boit nos bières et puis on dort. Regarde, alors, on va la regarder un peu quoi. Bon bah voilà, on a fait grosse soirée, pas dormi. À peine. Moi. Là il est à peu près 11h du mat. Et puis bon, ce soir normalement on va bouger au Jagger. Voilà, nous voilà en forêt. Nous sommes le cinquième jour. Ça va Audran? Ouais super. Alors on est avec Mouchi et Capone et là. On est en train, on va tourner un clip. Ils vont tourner un clip. Donc là on est dans un endroit qu'on ne connaît absolument pas. C'est complètement aléatoire. Mais on aime bien. N'est-ce pas Thibaut? Ouais, j'adore ça. Qu'est-ce que tu veux? Je filme la préparation, putain. Non, mais, je suis gêné, je te prends. Oh là là. Je vais dire bonjour à Fluffy, moi. Bonsoir, Fluffy. Qu'avez-vous à dire pour cette vidéo? Très intéressant, Fluffy. J'approuve votre concept. C'est... Voilà, un homme avec une ventouse. Il aime beaucoup les ventouses. Ouais, mais là, oh là là. Mais j'adore la tête du mec là. À chaque fois qu'on regarde la tête qu'il a, c'est pareil. Regarde. Il est là, il a l'air heureux. Il a l'air content. Là, un homme de type bûcheronesque. Il aime le bois. Yes. Voilà. Un homme fort, un homme comme on les aime. Ah, regardez-moi cet homme. Oh, il est... Oh, il donne envie. Le paillasson. Nous avons perdu notre ami Audran dans la gare. Donc voilà. Nous avons à sa recherche. Audran. Après un message d'Audran, nous le recherchons encore. Voilà, on a retrouvé Audran. Il est sorti de l'ascenseur. Avec sa petite bouffe au calme. Il est sorti de l'ascenseur, on mange un pot au pavot avec de la saucisse. Saucisse. Nouveau tatouage à Thibaut. Mais si, il en a fait un. Moi aussi. Par la même occasion. C'était du n'importe quoi, voilà, c'est YOLO vacances des Suisses. Et toi, t'as quoi à dire pour ta défense? C'était le qui vive. Ils dorment ensemble ce soir, de manière très gaie. Voilà, on est vendredi, on va faire le jeu de redi et on a mal. Là, tu te fous à la fenêtre, Audran. Audran, voilà. Tu fais les glaçons, après tu te fous à la fenêtre. Hey, tu peux me mordre, s'il te plaît. Quoi? Me mordre. Je te morde? Oh, non, mais toi plutôt. Mais mec, mets-toi par terre. Enfin, pas vraiment par terre, mais tu verras qu'on entend le bruit de la baignoire par terre et le bruit est beaucoup mieux. Tu veux que je vienne écouter avec toi? Non, ouais, vas-y. Bah... Nous allons voir un homme fort, un homme comme on les aime. Salut, voilà, j'avais envie d'un petit pain. Regardez donc ça. Voilà, ça, c'est un homme heureux. Petite corona dans son bain, on est bien. Franchement, je suis super soyeux. Quoi. Essayez. Essayez aussi, Axel. Mec, comme ça, on dirait la coupe de Wolverine, c'est. Non, mais mec, c'est trop ça. Bon, peut-être. Je te jure, c'est trop ça. Ouais. Bonsoir, nous sommes en lendemain de soirée. Quand tu es dans un pantalon, en fait, regarde à travers un verre. Comme ça, imagine-toi. Toute ta vie, tu vois tout comme ça. Donc la voir, c'est une chaise. Ça peut être une chaise, tant qu'on ne la regarde pas. Tant qu'on ne la voit pas, ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est lui, là. Notre bon vieux Audran. Alors, on fait. Pendant ce temps-là, on fait un très beau montage pour Léo.
Et nous voilà en fin de montage. On a fait une petite chose, Léo. C'est ton petit cadeau, mon grand. Ici, on peut observer. Tu te rappelles de cette image? Suave. Moi, Thibaut avec une bonne tête de merde. La clé de bras. Des gens qui s'aiment beaucoup. Hein. Là, un mec qui fume. Beaucoup. Ah, Thibaut. Audran, il est bien. Il a montré ses fesses à moitié. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? T'as pris une huile dans la tête? Non, on va voir là-bas. Hein? Non, on va voir. Va voir quoi? Va voir là-bas. Là. Oh! Camilo, si fort. Qui aime? C'est toi? Non. Toi, le responsable? Non. C'est qui? Il a fait quoi? C'est qui? Ça l'est mordé? Non, c'est pas moi, c'est sûr. Ça l'est mordé? Nous allons faire une partie de Cluedo pour savoir qui est le responsable. Madame Rose avec le chandelier. Monsieur Kékette avec le gant d'enfer. Thibaut avec les boules de geisha. Oui. Monsieur Jones direct. Oui, c'est moi. C'est moi. Donne-moi donc la phrase que tu as entendue. Comment t'as fait pour souffler avec ton doigt? Alors, mais explique-moi cette phrase donc. Parce que... Mais comment tu veux souffler avec un doigt? C'est ça que je te demande. Qu'est-ce qu'il a fait? Dis-moi quoi, oh putain de merde. Elle va biffer Luna. Je resterai impassible. Tu fais ça? Oh yeah! Je vous avais dit de rester impassible. Donc nous allons tout de suite dans la boîte de nuit privée de Thibé et Audran. C'est parti! Alors, comme vous pouvez le remarquer, on est arraché. Je vais bien. Enfin, ouais, c'est conceptuel. Bonjour. Faiblesse. Ah. Vivant. Mec, à cause de ta sueur, t'as l'air encore plus brillant que mon avenir. Quoi. nous sommes dimanche 9. Ça sent la fin, mais donc on continue à faire de la merde jusqu'au bout. Hein. La vaisselle. Elle le fait bien. C'est ma masque. Elle le fait bien, ouais. Bonsoir Audran. Bonsoir, bonjour. Ouais, pareil. Et voilà, mission accomplie par Kékette. Tous les bureaux sont bien comme il faut. C'est ça qu'on aime. Nous sommes actuellement en train d'imprimer ces magnifiques photos que je vous ai montrées juste avant. Oh yeah. Connasse. Regardez là, une connasse. Regarde,
Tu veux voir le visage d'une connasse? Ah, c'est elle. Une belle feuille. Alors, voyons ce qu'on peut en faire. Voilà. Ça me paraît être un bon endroit, mon Axel. Oh, moi j'aime beaucoup. Ah, voilà. J'aime beaucoup le concept. Ça, s'il nous voit pas tout de suite, on pourra le voir chier. C'est ça. Une capote gonflée. Oui, une capote gonflée dans les chiottes. Ça, c'est pas prévu ça. Alors, c'est qui a mis une capote gonflée dans les chiottes? Quoi? Audron! Pourquoi tu fais ça? Parce que c'était la capote qui. On savait pas quand est-ce qu'elle datait, et donc j'ai failli l'acheter, alors j'ai préféré faire un truc comme ça. C'est-à-dire, il est partisan de ne rien gâcher, bravo monsieur. C'est très bien. On a un truc ici. Voilà, près de l'ordinateur. On a ceci. On a un tableau électrique de qualité. Il faudra pas y montrer la vidéo tout de suite. Non, il est là. Ensuite, on en a un dans l'entrée. Voilà, magnifique, hein. Et celle que vous avez vue le meilleur tout à l'heure, les chiottes. Ah voilà, on est à moins d'une heure du départ de Kékette à peu près. On sent que la forêt vous commence à être... Moi je suis un peu triste, mais bon, on prend encore une soirée. Ah Kékette, ouais. ce soir il baise. Alors, voilà, je le sodomise, monsieur. C'est encore mieux. Encore mieux. Ça veut dire dans les fesses. C'est le départ de Kékette. Salut Kékette. Il doit aller travailler. Cette semaine a été le début de la construction d'une grande entreprise pornographique. Bon bah voilà, on a... On a beaucoup, ouais. Même bien. Ouais. On viendra accompagner Kékette à la gare. Audron et Luna qui sont partis aller chercher des choses diverses et variées dans Lausanne. Et si bon, on est chercher des bières, parce qu'on aime bien. Exact. Je suis en train de manger une calzone. Il aime bien. Et j'ai encore un snack de luxe poulet curry dans mon sac. Dernière soirée, sa mère Thibaut. Ah ouais, on est là, on boit. L'année prochaine, ce que je disais tout à l'heure, l'année prochaine, quand on reviendra, on amènera déjà des meubles. Hein. Des meubles? Bah ouais, dans un an. Ah Luna, t'as vomi. Ça arrive, hein, tu sais. Voilà, je vais prendre une bière. Parce qu'on aime bien, la bière, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez bien. Ah, la texture. Bon, à l'intérieur, pour des capsuleurs. Ouais, c'est vrai que. Si on peut trouver des pâtes. Allez, on en mange une pour voir la texture. Pas mal. Hop. Audron, il touche Luna, puis il fait hey, mais toi, en fait, t'es douce, mais genre comme une peau d'œuf, tu vois. Ce que tu comprends pas, c'est que t'as une peau d'œuf. Ouais, t'as une peau d'œuf. J'ai une peau de lait. J'aurais fait des claquettes. Soir, c'est la fin de notre séjour, on va aller prendre le train. On va pleurer. Voilà.